Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. L'invité du jour, c'est M. Boubacar Sidiki Diallo. Il est le président de l'Union pour un mouvement populaire, UMP, acteur de l'opposition républicaine. Et les sujets majeurs du moment, comme vous le savez, qui sont abordés en ce moment, c'est bien sûr les consultations menées par Kassori Fofana, Premier ministre, qui lui ont été instruites par le président lui-même, avec évidemment ce désaccord global qu'il y a autour. Est-ce qu'il faut répondre ou pas au sein de l'opposition? Nous aborderons leur démarche à eux qui les a menés à rencontrer Kassori dans ce sens-là. Et puis l'autre sujet, c'est bien la date que certains qualifient de la discorde ou proposée par la CENI pour la tenue des élections législatives le 28 décembre 2019. Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce que son parti est prêt pour y aller ou est-ce qu'ils pensent que c'est une date qui n'est pas du tout réaliste? Et quelles sont les perspectives politiques, si vous voulez, pour l'UMP et bien d'autres partis politiques, bien sûr, aussi de l'opposition. Là-dessus, nous reviendrons. Nous sommes donc reçus ici, comme vous pouvez le constater, par M. Boubacar Sidiki Diallo. M. Diallo, merci de nous recevoir. Merci d'être venu. Merci de la disponibilité, surtout. Alors, donc, brièvement, d'abord, comment se porte votre parti, l'UMP? Je me rappelle que la dernière fois que je vous ai vu sur le terrain de campagne, c'était quand vous avez présenté ce jeune homme comme candidat aux élections communales pour la circonscription de Matoto. Ouais. Alors aujourd'hui, comment le parti se porte? De plus en plus mieux ou est-ce que le parti est en train de stagner? Voilà, merci bien, merci aux téléspectateurs. Mmh. Voilà, depuis qu'on a participé aux élections communales, je vous avoue que, vous savez, c'est ça l'importance de participer à un scrutin. Absolument. Ça crée une émulation et aussi ça crée peut-être un réveil, d'accord. Et ça fait que ceux qui ne vous connaissaient pas puissent vous connaître. Vous découvrent. Et ceux qui vous connaissaient peu vous découvrent mieux. D'accord. Alors, ce fait-là a vendu une partie de notre programme de société, ce que nous ambitionnons dans chaque commune. Alors ça a créé beaucoup d'émulation. Aujourd'hui, nous avons installé le parti au-delà de certaines villes qu'on avait quand on passait la dernière émission, parce que dans ma préfecture d'où je viens, Koundara, on n'était pas installé depuis la création du parti. J'ai voulu donner la leçon comme quoi il ne faudrait pas commencer par chez soi. Il faut aller prêcher l'évangile loin de la cathédrale pour que quand vous revenez, vous ramenez des fidèles. Donc c'est ce qu'on a fait et nous avons installé Koundara. Aujourd'hui, le parti se porte très bien et il est très bien compris. Bien. Donc, mais c'est une épreuve de tous les jours parce que la compréhension d'un parti, ce n'est pas simplement d'adhérer à sa vision, mais c'est aussi le soutenir dans les moments difficiles, au cas par cas, chaque événement met tous les partis dans une incertitude totale. Est-ce que les militants seront là pour soutenir ou pas? C'est vrai que c'était une bonne publicité politique d'avoir présenté le plus jeune candidat de l'histoire des élections au communal, le jeune Kalo. Mais à l'arrivée, ce que vous aviez comme objectif, c'était son élection dans le conseil. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que ça veut dire que vous n'aviez pas véritablement une base, notamment dans cette commune de Matoto, ou est-ce que vous pensez tout simplement qu'il y a eu de la fraude qui a fait que votre candidat n'a pas eu accès à la commune de Matoto? Non, on ne pense pas, on est certain. On méritait d'être dans la commune. Kalo devait être conseiller communal avec même une autre personne. On devait avoir deux conseillers dans la commune. Sauf que ils ont dissipé 92 procès-verbaux des bureaux de vote. Donc les résultats de 92 bureaux de vote ont été jetés. On n'a pas eu de recours, on n'a pas eu d'appui. Et notre allié à l'époque, c'était l'UFDG. Mais l'UFDG a fait un deal politique avec le RPG, donc le reste, c'était plus leur préoccupation. Et donc, nous, ça nous a permis de savoir qu'on a, sur une liste de 17 candidats, on est venu cinquième, malgré qu'on ait perdu 92 bureaux de vote. Pour nous, c'est un challenge important. Deuxièmement, on sort un jeune qui vient de terminer ses études, qui est venu de nulle part, et il vend un idéal que
près de 3000 personnes achètent et votent pour lui. D'accord, dans les conditions que nous savons très bien. Donc pour nous c'est une deuxième victoire. D'accord. La troisième victoire était pour nous d'aller à la au contact des populations pour mieux sentir et vivre avec eux l'émotionnel du quotidien, pour savoir comment se passe le vécu. Nous avons fait, on a refusé de monter dans des gros véhicules, on a refusé de faire des caravanes avec des engins roulants, on est parti, on a fait le porte-à-porte pour nous permettre de vivre dans les espaces les plus insolites de ce pays. Pour nous, c'est un avantage, c'est un acquis et c'est un gain. Bien, on peut dire donc que ce fut tout au moins une belle expérience, pour le parti. En attendant les futures échéances, et c'est là qu'on va parler tout à l'heure des perspectives. Pour l'instant, venons donc à l'actualité brûlante. La question liée aux consultations est toujours d'actualité puisque les entités prêtes à être consultées par Kassori se relaient à la primature. Vous, vous êtes déjà passé. Le parti UMP a décidé d'aller rencontrer le Premier ministre. Pendant que vous êtes d'une entité politique qui a tout de suite dit qu'on ne veut pas de ces consultations, du moment où on va parler de nouvelle constitution. Là, je vais parler du FNDC, mais je vais parler aussi de l'opposition républicaine. Vous avez, en quelque sorte, ignoré cette consigne-là de votre groupe politique et vous êtes parti. Qu'est-ce qui a prévalu à cet entêtement, à cette ignorance de la consigne qui vient de votre groupe? C'est la volonté de respecter les lois de la République, de fortifier les institutions et d'asseoir la culture du respect de nos valeurs et de nos lois. Je ne peux jamais convenir avec quelqu'un de violer la loi quand ça nous arrange. Je ne vais pas perdre tout mon temps à constituer une équipe de Guinéens, à vendre un idéal, à critiquer un autre dans leurs insuffisances et à poser les mêmes actes que les gens que je critique. Nous avons dit que le FNDC est une entité qui est créée circonstanciellement pour ne lutter que pour une seule cause, s'opposer au changement de la Constitution comme pour l'instant on n'a pas un motif légal d'accepter cela. Alors, toutes les questions relevantes des politiques, les plateformes de la société civile ont été très claires dans le FNDC. Alors, nous sommes de l'opposition républicaine. Et l'opposition républicaine n'a jamais ouvert un débat pour décider qu'on n'aille pas ou qu'on y aille. Ça n'a pas été le cas. Donc, aux consultations. Il n'y a pas eu de consultation au sein de l'opposition républicaine pour dire quelle va être notre position. Alors, la forme la plus logique, la plus légale, la plus respectueuse, la plus responsable aurait voulu que les partis politiques se retrouvent pour discuter autour de cette thématique. Le président a instruit le Premier ministre d'aller à des concertations. Est-ce que nous devons y aller? Qu'est-ce qui pourrait nous pousser à y aller? Et si nous devons refuser, qu'est-ce qui va fonder notre refus? Mais que tout tienne de la loi et du droit. D'accord? Est-ce que cette démarche, elle est légale? Et si elle est légale, refuser, parce qu'on peut refuser ce qui est de droit. Par exemple, vous pouvez vous abstenir de réclamer un droit. Votre droit est légal quand vous le réclamez, mais quand vous vous abstenez de le réclamer aussi, c'est légal. Bien. Mais sauf que si c'est une injonction de la loi, donc, vous n'avez pas le droit de refuser. Parce que ce qui adviendra, si on vous appelle à la concertation, c'est pour venir discuter des problèmes d'intérêt national. C'est ce que le président a dit. Et donc, en partie responsable, nous, on s'est retrouvés. D'ailleurs, de chaque fois qu'un parti politique doit prendre une décision, c'est à la base qu'il demande. Tout le à chef fait. De file, il vous conviendra qu'ils avaient signé avec l'UFR et le PEDN ce qu'on a appelé l'accord de Paris en 2012 ou 2013, si j'ai bonne mémoire, où ils ont demandé que personne ne respecte la légitimité du président. Donc ils avaient refusé. Ils ont signé une déclaration là-bas et quand ils sont venus, on a convié le chef de file. Le président l'a invité, il dit, il demande à sa base. Il n'a pas demandé à l'opposition, il n'a pas demandé aux trois signataires de la convention à laquelle lui-même il s'est obligé à ne plus prendre le président comme interlocuteur, mais il a demandé à sa base. Et quand sa base l'en a autorisé, il est parti. Donc on n'a pas de leçon de morale à recevoir des gens qui ont fait la même chose qu'on fait, mais dans des dimensions où nous on respecte la loi, où eux ils ont violé la loi. Bien. Parce qu'en termes de convention, on dit que les conventions légalement faites tiennent lieu de loi à ceux qui les ont signés. Ce que vous voulez dire, c'est que le FNDC en tant que tel
structure mixte composée d'acteurs de la société civile et de politique qui ne se base que sur les questions de constitution. Voilà. A dit on n'y va pas. Hein. Maintenant, le côté politique où vous êtes dans l'opposition républicaine non plus n'a pas dit il faut y aller ou pas. Donc vous décidez de partir tout simplement. Oui, parce que, on n'a rien à vous reprocher. Oui, parce que ne pas aller, c'est violer un terme de la Constitution. Mmh. La Constitution confère au pouvoir public et politique le devoir de ramener tous les citoyens autour d'une table de dialogue pour éviter qu'il y ait la guerre civile, par exemple. Maintenant, il y a des incidents fâcheux, une incompréhension. Le sujet dont il est question, c'est changement de constitution ou pas, et puis après on parle d'élection, bien sûr. Mais tout le monde sait que le sujet brûlant, c'est la question de la constitution. Eux, ils vous disent, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas allés, puisqu'on va parler de constitution, nous, on a une idée arrêtée autour de cette question de constitution, ils veulent la changer pour avoir un troisième mandat et tout, donc on n'en parle pas. Est-ce que vous ne pensez pas que... Enfin, c'est objectif de leur part, non, ou tout simplement c'est réducteur? C'est une question d'ego. Lorsqu'on vous pose une question, c'est comme quand on vous prend en flagrant délit de meurtre. On sait que c'est vous qui avez tué. Est-ce que le juge va dire, bon, puisqu'il a tué, on ne va plus lui poser la question, on le pend? Non. On vous pose la question et le tueur se justifie. Il y en a qui disent, j'ai tué et je garde le même état d'âme. On lui fait passer la loi. C'était le meilleur endroit pour que l'opposition et le FNDC viennent dire aux autorités politiques et publiques et au Premier ministre, ce sujet-là, quand le Premier ministre le pose, il dit, monsieur le Premier ministre, ce sujet-là, on s'interdit de le dire pour telle raison. Tant qu'on n'a pas une explication légale qui justifie le changement, on n'en rentre pas au fond. C'est ce qu'on appelle invoquer une exception in limine litis, c'est-à-dire en la forme, vous soulevez l'exception pour ne pas rentrer dans le fond. Bien. Mais ça, il faudrait que les partis politiques acceptent de se faire conseiller par des cabinets juridiques qui les orientent. Parce que dans ce pays, on pense que la politique est au-dessus donc, des ça, lois. Donc ça veut dire que c'était de l'émotionnel tout mais simplement. Mais c'est de l'émotionnel. C'est de l'émotionnel quand le président dit « Ok, peut-être même s'il ne le dit pas comme moi je le dis, mais lorsque on l'a accusé tout le temps de violer la Constitution, et que pour une fois ils disent, prenons, il prend un élément de la Constitution, il dit bon, utilisons ça pour nous comprendre, pour éviter demain ce qui serait fâcheux. » Et que les acteurs qui défendent ce même document dont ils portent le nom disent non, 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 nous on refuse, on ne va pas faire parce qu'on pense que c'est ce que tu vas nous dire. Mais il n'y a pas de délit d'intention. Il n'y a pas de cohérence, bien. Il n'y a pas de délit d'intention, il n'y a pas de délit d'opinion. L'opinion, je peux vouloir être roi de la Guinée. J'ouvre le débat, mais c'est mon opinion. Ok. Alors, en tant que tel, c'est pas un délit, quoi. Tout le monde dit. Ce n'est pas blasphématoire. Ça n'a rien à voir. Que de... Nous, on a été là-bas. De toute façon, le Premier ministre, les savants qui ont prédit, c'était tout ce qui allait se passer là-bas. Le Premier ministre ne nous a pas dit, on va au référendum ou on va. Vers la nouvelle constitution. On va changer la constitution. Dit qu'aujourd'hui, la société a des préoccupations que le président entend, qu'il intègre, et il m'a instruit d'écouter tout le monde et de lui faire bonne lecture. Et qu'est-ce que vous lui avez dit en ce moment? Alors, on lui a dit que le problème de ce pays se résume dans d'autres dimensions. On lui a fait savoir qu'aujourd'hui, il y a deux groupes de partis politiques qui se sont transformés en une assemblée parallèle à l'Assemblée nationale, qui est la vraie institution, et ils transforment toute leur volonté en loi. Ça, c'est le RPG arc-en-ciel et l'UFDG. La loi sur la CENI, c'est l'expression de leur volonté. Et la conséquence, c'est que la CENI, de la base au sommet, les deux groupes politiques occupent plus de 80 à 90% des positions. Alors, ce n'est plus une loi. Une loi, elle est normative. Une loi, elle est à l'égard de tout le monde. Bien. Une loi protège les faibles. Mais lorsque les forts se prennent entre eux, ils partagent comme un gâteau. On a vu également comment ils se sont partagés les délégations spéciales. D'accord? Ils font des accords. Ils conviennent donc, comme les élus, on doit les changer, donc donnez-nous notre part. Ils partagent ça, le RPG, l'UFDG, l'UFR, ils partagent tout le pays des positions électives. Ils en font une des exceptions que la loi a, des facultés que la loi a réglées dans d'autres dimensions qui n'ont rien à voir avec leur façon de faire. Alors ça, on lui a dit ça, on lui a dit qu'il y a des partis politiques qui sont constitués
mais auquel le ministère de l'administration a refusé de donner les agréments. Mais on l'a dit devant, même en face du ministre de l'administration du territoire, on dit ça viole la constitution. Pour nous, FNDC, c'est nous. Bien. Parce que nous, on est venu défendre la constitution devant le premier ministre et les membres de son gouvernement. Mmh. Et on leur a expliqué comment est-ce que, par l'effet des politiques, on est en train aujourd'hui de violer cette constitution. Et on lui a réaffirmé que pour l'instant, tant qu'on n'a pas une explication légale qui justifie qu'on change la constitution, on souscrit à la démarche du FNDC dont nous sommes fondateurs. Bien. Et nous sommes sortis sur ces termes. Mmh. Donc les brillants qui disaient que c'était seulement ça le sujet, ont tout faux. Bien. Alors, et donc ça veut dire que vous avez exprimé tout simplement ce que vous avez l'habitude de tenir comme propos au sein du FNDC. Oui. Tant qu'il n'y a pas d'argument valable pour un changement de constitution et que le moment s'y prête, vous ne vous associez pas du tout à cela. On va donc observer une petite pause. Derrière, on se retrouve pour continuer notre débat. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wassolon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institutions républicaines et non gouvernementales, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42, 664 24 61 06. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui a comme invité toujours M. Boubacar Sidiki Diallo, président du parti L'Union pour un mouvement populaire UMP. Avec lui, comme vous l'avez compris, nous parlions des consultations qui sont en train d'être menées par le premier ministre en ce moment. Ce pourquoi ils ont décidé d'aller à cette concertation tout en boudant la consigne du FNDC dans ce sens-là. Ils viennent d'en donner les raisons. Et restons un peu là-dessus, ces concertations de Kassori et un élément nouveau qui devient un peu le chou gras de vos amis qui n'ont pas décidé de partir aux concertations. Ils disent, ah voilà maintenant ceux-là qui se sont pressés pour aller voir Kassori, ils en ont eu pour leur chapelle, parce que Alpha Condé a annoncé aux États-Unis à ses militants, allons au référendum. Donc ça veut dire que les concertations, c'était du maquillage, c'était un écran de fumée. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que vous ne regrettez pas d'être allé voir Kassori du moment où Alpha Condé est resté sans attendre la fin des consultations? Il a parlé déjà de référendum aux États-Unis. Vous savez, là où on refuse de suivre nos aînés politiques, c'est parce qu'ils ont toujours conduit les destinées de l'État dans des dimensions émotionnelles. Alors, lorsque vous devez prendre une position parce qu'Alpha Condé a parlé, ou parce que Kassori a dit ça, ce n'est pas la carrure d'un homme d'État. Lorsque vous devez gérer un pays, vous avez un outil, un instrument qui est la Constitution. Regardez ce qu'il y a dedans, vous le faites sans vous soucier de ce que va dire Paul et Pierre. D'accord? Moi, quand je me lève, je sais que je suis musulman, je dois prier. Ce que le Coran m'a dit, je le fais. Même si mes parents ne sont pas d'accord, mais c'est ce que mon Créateur m'a dit. Je le fais et je l'assume. Mais si on dit qu'on défend une constitution, on prend un article de cette constitution et vous dites que non, parce que le président a dit ça, celui qui a exécuté les injonctions de la loi, et alors il doit regretter ou il a tort, c'est nous qui avons raison, mais la raison c'est quoi? C'est la logique légale ou morale, d'accord? Et en termes de la gestion des biens publics, on ne parle pas de morale, on parle de légalité. Qu'est-ce que ça vous dit que Alpha Condé est instruit des consultations pour savoir qu'est-ce qu'une partie de la population veut d'une nouvelle constitution et qu'est-ce que l'autre partie ne voudrait pas, sans attendre l'aboutissement de cet exercice-là de consultation? Lui-même, il parle déjà de référendum, comme s'il est en train de donner une tendance au rapport que Kassori va lui remonter. Non, il y a une chose. Il faut qu'on souffre de respecter les mécanismes de la loi. Si le président dit, il dit son opinion en tant que président de la République, et M. Kassori peut influencer le Premier ministre absolument dans la rédaction de son rapport. Le Premier ministre a été très clair, net, précis et tranchant. D'accord? C'est pas mon ami,
Je n'ai pas à l'aimer ou à le détester. Il reste le premier ministre chef du gouvernement et je respecte sa position. Quand il est venu, il a dit « Je ne suis pas médiateur, je ne suis pas négociateur. Je viens vous écouter et j'en rapporte à qui de droit. » Donc, cela ne fait pas que si le président dit « On va aller à un référendum », que ce que les gens ont à dire au premier ministre change de position. Ça n'a rien à dire. Voilà. Le premier ministre, il est statique dans sa position. Quand vous venez, il vous écoute, il prend note, il pose des questions pour bien comprendre. Et c'est ça. Et la plupart du temps, il dit, l'écrit ne trompe pas. Pour ne pas trahir vos discours, bien, faites-moi un mémo. Alors, si on dit que le président a parlé de référendum, et puis, d'ailleurs, pourquoi on diabolise un référendum? Les gens parlent comme si le terme référendum, c'est un terme intergalactique qui est tombé ici et que c'est Alpha Condé qui l'a apporté. Mais c'est dans notre constitution. Maintenant, un référendum, c'est quoi? C'est une procédure. Pour qu'il y ait un référendum, il faut qu'il y ait un projet de loi référendaire. Et ce projet de loi référendaire doit être envoyé à la Cour constitutionnelle pour une vérification. La Cour doit se prononcer et prendre un arrêt de conformité. Donc, lorsque la Cour constitutionnelle estime que le contenu de l'arrêt est conforme à l'esprit de la Constitution, alors la loi référendaire devient une loi et la loi s'applique à tous les Guinéens. Donc, dans ce cas, le référendum peut être inévitable. Alors, pourquoi le terme, un terme grammatical que le président a lâché? Est-ce que ça veut dire que vous êtes prédisposé aussi à une sorte de référendum sur la question ou sur toute autre question? Écoutez-moi, vous y êtes prédisposé? Suivez-moi très bien. Je veux être très bien compris sur ce plan-là. Pour moi, aujourd'hui, moi, je n'ai aucune demande à faire à l'État, sinon que d'organiser des élections pour qu'on puisse compétir et enlever. Aujourd'hui, la Guinée est le seul pays de l'Afrique qui n'a pas d'assemblée nationale légale. Vous comprenez? Je ne sais même pas si dans le monde où un pays normal est là sans une assemblée normale. Moi, ma préoccupation, c'est comment on peut avoir une assemblée légale. C'est-à-dire législatif. Maintenant, si le président ou les gens qui sont autour de lui, qui le supportent, souhaitent apporter un autre débat qui peut nous conduire à un référendum, mais qui nous en donne l'explication légale. Encore une fois, si j'ai une explication qui tient du droit... Pour l'instant, les explications qu'ils vous ont données... Pour l'instant, toutes les explications données ne nous convainquent pas de droit. Bien. Ce n'est pas des explications juridiquement soutenable. Bien. Et la loi ne prévoit pas. Bien. Mais lorsqu'on en aura une, on l'examinera et si ça tient du droit, on acceptera. Mais aussi si... simplement que ça. Et je pense que je n'ai pas été confus là. Bien. Merci. Maintenant, si de toutes les façons, Alpha Condé nous envoie vers un référendum sans qu'il y ait ces conditions-là, ça veut dire que ce sera du forcing. Un forcing, et ça peut être un risque d'instabilité ou il je ne pourra sais pas forcer. Bien. Il ne pourra pas forcer parce que la Cour constitutionnelle ne laissera pas un projet de loi référendaire. Vous avez confiance à cette Cour constitutionnelle? J'ai pas besoin d'avoir confiance. J'ai pas confiance à cette Assemblée, mais elle m'a produit la loi sur la CENI, qui s'est appliquée sur tous les Guinéens, que je respecte, par l'effet du RPG et de l'UFDG. Donc ils ont rendu bancale une institution, la troisième institution, la deuxième institution républicaine. Un parti de l'opposition le plus fort, un parti de la mouvance le plus fort, ils se sont coalisés pour balkaniser et fragiliser les institutions de la Constitution. Très bien. Chapeau pour eux. Ils ont été de très grands. Si leur grandeur se mesure à leur appétit et à leur capacité de changer les lois en les adaptant à leur volonté, je demanderai alors aux Guinéens de comprendre dans quel sens les grandeurs doivent s'exprimer. Bien. Maintenant, si aujourd'hui la Cour constitutionnelle prend un arrêt, tout le monde est tenu de le respecter. Qu'on aime le président, on a combattu la façon dont le président est venu, mais une fois que c'est consommé, tout le monde est d'accord, alors si la Cour prend un arrêt, tout le monde doit respecter l'arrêt. Bien. Voilà. Que je l'aime ou pas, s'il confirme une loi, je la respecterai. Et voilà. Je ne donnerai aucune instruction contraire à ça. Voilà donc ce qui est dit, et ça nous amène à l'autre sujet
qui a donc figuré au menu de ces consultations comme l'autre sujet de préoccupation du moment, ce sont les élections législatives. Et là-dessus, après que le président ait demandé que le gouvernement appuie la CENI afin qu'on tienne ces élections, elle a proposé une date qui semble polémique en ce moment, le 28 décembre 2019, pour la tenue de ces législatives. Mmh. Vous, comment vous voyez cette proposition de date, réaliste ou pas? Voilà. Moi, je pense que la loi a délimité les responsabilités des uns et des autres. Mmh. Les partis politiques continuent à s'agripper à la CENI et chacun veut la contrôler. La mouvance, l'opposition, c'est ce qui est en soi c'est un égarement. Mmh. On ne peut pas se battre pour mettre en place une institution. D'accord ? Au début, la CENI était une institution consensuelle. Donc, toutes les décisions se faisaient de façon consensuelle. Mais ça s'est effacé depuis qu'on l'a intégrée dans la Constitution. Maintenant, c'est une institution constitutionnelle, comme la Cour suprême, comme l'Assemblée. Comme le chef de file de l'opposition. Indépendamment, je ne parle pas de ça. Elle doit fonctionner indépendamment de la volonté des partis qui la constituent. Vous ne reconnaissez pas le chef de file comme institution? On voit toujours certains partis continuer à dire non, la CENI doit être consensuelle. La CENI ne peut pas être consensuelle dès lors qu'elle est constitutionnelle. Il faut que les gens lisent et comprennent le français et la loi. Donc aujourd'hui, cette date, si la CENI, à laquelle tout le processus appartient, peut garantir l'expression des suffrages des Guinéens à une proportion qui dépasse la moitié, alors les élections seront acceptables et l'UMP sera prête à aller. Bien. Nous irons. On est là pour aller aux élections. Mieux vaut des élections bâclées qu'une assemblée comme ça. Vous pensez... Où il y a même des leaders de l'opposition qui disent que le président est en train de violer la Constitution. Eux-mêmes, ils siègent au-delà de leur mandat. C'est incohérent. Non, mais c'est même grave. C'est une violation de la loi. Et pire encore, ils fabriquent une loi inconstitutionnelle dans laquelle ils se donnent eux-mêmes le droit de continuer à siéger au-delà de leur mandat. Je ne vois ça qu'en Guinée. Voilà. Donc si la CENI peut tenir ses délais et pour que la transparence soit quand même observée, vous irez ces élections tout simplement. On ira. Voilà. Clair et net. Voilà, c'est aussi clair que ça. Et puis bon, ça veut dire qu'en ce moment, il y a des risques d'implosion au sein de cette opposition républicaine, mais aussi au sein du FNDC. Vous autres qui, aujourd'hui, avez décidé d'aller à ces consultations, et depuis là, les discours ne vont pas dans le même sens. On sent qu'il y a une génération de jeunes politiciens, apparemment, qui se dressent contre les vieux briscards de la politique, finalement. Alors, quelles sont les perspectives dès lors, et pour l'UMP, et pour tous les autres partis politiques qui, en ce moment, ne partagent plus la même démarche que ces partis dits grands? Les perspectives sont claires. Nous avons fait la politique pour apporter du nouveau. La dernière fois, j'étais avec M. Baouri sur un plateau de télé. J'ai dit que je respecte sa dimension, sa lutte et sa conviction. C'est un homme de grande valeur, comme beaucoup de nos leaders aujourd'hui de l'opposition. Mais pour moi, le sens du combat et ce que les Guinéens doivent vouloir aujourd'hui, c'est d'un changement, d'une alternance, d'une rupture. Et ce n'est pas eux. Tous ces anciens ministres et premiers ministres, ce n'est pas eux qui vont créer l'alternance. D'accord ? Donc aujourd'hui, eux, ils doivent partir avec leur président, le professeur Alpha Condé. Ce que vous êtes en train de dire, Sélou doit abandonner son ambition d'être président. Sidia doit abandonner de ce pays. Ils doivent tous partir. L'alternance, c'est quoi? C'est enlever tout ce qui était là hier pour mettre du nouveau. D'accord? Il y a une nouvelle élite politique. Il y a un nouvel esprit qui n'est pas là à l'avantage des partis individuels, mais qui est là pour fortifier les lois et les institutions. Mais ces anciens partis continuent toujours dans la dimension à donner plus d'avantage à leur parti. Alors, qu'est-ce qu'on reprochait au PUP? C'est le coudaïsme. Aujourd'hui, le RPG veut faire du coudaïsme. Qu'est-ce qu'on reprochait, reproche au RPG? C'est de violer la constitution et les lois. Mais lorsqu'ils les violent, les autres partis dits grands
viennent notamment l'UFDG, l'UFR, ils viennent se greffer là, ils mettent suffisamment de pression, ils réunissent tout le monde parce que les partis politiques de l'opposition ont soif de justice. Mmh. Les citoyens guinéens ont soif de justice. Donc on met des slogans comme ça, ils ont la force, ils embêtent le président, mais quand il les appelle, il leur donne leur part et c'est fini. Ce qu'ils combattaient hier devient légal dès lors qu'ils ont leur part. Je donne un exemple. Mmh. Les délégations spéciales. Le président a commencé à installer le RPG petit à petit et puis tout le monde s'est réveillé d'un coup en disant c'est illégal. On a combattu, il y a eu 5 morts. On a dit c'est illégal, il ne doit pas le faire, c'est des positions électives, tout ça. Mais le président les a appelés et dit bon écoutez calmez-vous, donnez à chacun quelque chose, ils vont se calmer. Dans la délégation. On a donné à l'UFDG, on a donné à l'UFR. Bouche bée. À l'instant où ils ont eu le droit de partager les communes en délégation spéciale, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de violation de loi. Tous se sont accaparés à ça. D'accord ? Et pendant cette gestion, il y a eu même des partis de l'opposition qui ont brillé par la grande gabégie que leurs représentants ont fait dans la gestion des communes. Notamment je parle de Mamoun à Dalaba. D'accord ? Donc on en sait un peu. Nous, on n'a pas de leçon de morale à recevoir d'aucun politicien de l'opposition. Alors aujourd'hui, une nouvelle élite politique se dessine et nous avons mis en place une nouvelle coalition politique qui, dans les prochaines heures, va communiquer largement. Les structures sont déjà... Tout est en place. Et bien voilà. Donc vous allez créer une nouvelle coalition et sortir de l'opposition républicaine. Absolument. Qui va s'appeler comment ? Et qui sera composé de qui et qui ? Qui sera composé d'une dizaine de partis. Bon, il y a certaines plateformes de la société civile aussi qui seront là. Il y a l'UMP, il y a le RRD, il y a l'ADC BOC, il y a le MPG, Mouvement Populaire Guinéen de M. Mandiou Keïta, et il y a... il y a l'ADR, M. Alpha Omar Tarrant, il y a... le PUSG de Hadja Fatou Bangoura, qu'on créditait d'avoir rejoint la mouvance, ce qui n'est pas le cas. Vous savez, vous pouvez être puissant en gérant, manipulant l'État ou gardant des avantages où vous avez l'argent, mais vous n'allez pas pouvoir manipuler aussi des opinions affichées. D'accord ? Des hommes convaincus, ce n'est pas possible. Donc, comment va s'appeler la coalition ? Je vous le dirai. Nous allons faire la dernière assemblée juste quand vous allez me libérer de cet entretien. Bien. Et puis après, on va passer sous presse et on va lancer. Donc ça veut dire que ce que les gens annonçaient, l'implosion du FNDC, de l'opposition républicaine, elle est là puisque plus de 5 partis ou entités vont quitter ces structures-là pour composer une coalition. Est-ce qu'il faut voir là la révolution des jeunes politiciens? Parce que ce que vous dites là, il faut que tous ces anciens-là partent avec Alpha Condé, ça veut dire que vous voulez inciter cette nouvelle génération à se lever et à faire partir tous ces gens-là en 2020 et puis prendre la place. C'est ça, oui, c'est cette révolution que vous voulez créer ? Oui, parce que pour nous, quand on se bat politiquement, c'est respecter deux valeurs. La légalité et la moralité. Alors, quelquefois, la moralité, on peut la relativiser. Mais la loi n'est pas relative. Bien. Elle est obligatoire et s'applique à tous. Lorsqu'une formation politique vous dit aujourd'hui, ça c'est noir, on doit combattre ça. Et qu'à midi, on l'appelle, on lui donne ce noir-là, il dit non, c'est blanc. On doit adhérer. Alors, on ne peut pas continuer à aller dans ces dimensions. On nous a dit, on ne va pas aux élections avec Waymark. Il y a eu 10 morts, des manifestations. Ils ont fait des accords, on les a dit, bon, toi, tu auras tel nombre de députés, lui, on aura, ça, ils ont pacifié. Et ils se sont compris, on est parti aux élections avec Waymark. 10 morts. Pourquoi les 10 morts? Pourquoi la loi oblige tous les acteurs sociaux politique du pays à s'asseoir autour d'une table sous la conduite du premier ministre qui est le garant du dialogue social pour discuter et éviter de se taper dessus. Ils n'ont pas voulu discuter comme ils le font maintenant. Ils se sont tapés 10 morts. Ils ont fini par faire ce que la loi a dit. Ils ont trouvé au moins un consensus de paix. Ils sont passés aux élections. Sauf qu'il y a eu 10 morts. Ça, ce n'est pas une morale. Et ils ont violé la loi. Il y a eu 10 morts. Ils l'ont respecté. Il n'y a pas eu de morts. D'accord ? Ensuite, on vient aux délégations spéciales. Les délégations spéciales, ils refusent tout dialogue. Après, ils disent on a appelé au dialogue, mais on est dans la rue. Ah, alors, ils se sont tapés, il y a eu 5 morts.
Ensuite, le président dit, bon, dialoguons. Dès lors qu'on met la loi devant, il n'y a plus de mort. Hein? Mm-hmm. Parce que le dialogue, c'est une injonction légale. Mm-hmm. Quand ils ont dialogué, mm-hmm. au moins ça les a permis de trouver un accord où, encore dans le dialogue, ils contournent cette loi en violant une autre. C'est-à-dire qu'ils conviennent de partager maintenant les positions électorales, mais sans élection. Yeah. Ça aussi, ça a été pacifique, etc. etc. En fait, les manquements sont énormes, mm-hmm. donc on ne peut pas continuer à les suivre. Bien. On a l'impression qu'ils amusent la galerie en mobilisant tout le monde, et dès qu'ils ont intérêt, tout ce qui n'est pas bon pour Alpha Condé, c'est quand ils mangent seuls. Dès lors qu'ils les associent, c'est bon. Bien. Alors il faut suivre. Voilà, c'est donc l'information du jour carrément en ce qui concerne en tout cas l'opposition républicaine mais aussi le FNDC, parce que l'invité du jour c'est bien un des membres fondateurs du FNDC mais aussi un membre actif de l'opposition républicaine, et donc comme il a dit, il décide avec d'autres partis politiques et de former une nouvelle coalition à partir d'aujourd'hui. C'est donc l'exclusivité dans cette émission et c'est sûr que cela va être largement partagé les jours à venir, les heures à venir dans le débat politique. Monsieur Diallo, merci de nous avoir reçus. Merci à vous. À très bientôt. Ce fut un honneur. Merci. À vous, merci de votre fidélité et puis à bientôt pour un autre numéro de Café Débat. Prenez soin de vous et au revoir.